Allez, on va essayer de filmer ces petites abeilles. Hop. Ouais, ouais, ça tourne, mais j'essaye de pas trop bouger. J'espère qu'on va entendre leur bourdonnement, parce que c'est assez spectaculaire quand on est au milieu. D'accord, aujourd'hui il fait pas trop chaud, donc elles sont pas trop sorties. Pas trop de bourdonnement. Hop, allez. On va essayer de voir de plus près. On a le travail. Alors, ce qui est le plus blanc en haut, c'est déjà le miel. Operculé. C'est operculé. L'ultra jaune, c'est le couvain. Ce qu'on voit de plus jaune, ça s'appelle le couvain. Et en s'approchant, on voit des petites. Ouvert, où il y a des larves à l'intérieur. Voilà. Le couvain est ouvert et à l'intérieur, il y a des larves. Les petits points qu'on peut apercevoir, c'est vrai que c'est très discret. Et les belles petites abeilles travaillent. Et là, dans cette ruche, il y a combien il y a de ce qu'on appelle des housses. Ah non, pour l'instant, c'est la ruche. Pour l'instant, c'est la ruche. C'est la maison. Les os viendront par-dessus pour récolter le miel. Je suis novice, donc j'ai dit une bêtise. Pour l'instant, il n'y a pas de pour l'instant, elles font du miel et de la cire pour construire leur habitation. Là, c'est trop qui parle. Voilà. Une petite leçon d'apiculture. Là, on voit encore mieux tout en haut, ce qui est fort blanc. C'est le miel operculé. Voilà. Et là, on le voit vraiment très bien. Et en dessous, elles sont en train de remplir de miel, mais on n'est pas encore operculé, ça car brille. Les cellules ne sont pas pleines. C'est beau. Et c'est bon. J'espère que vous entendez bien le bourdonnement. Je vais en mettre plus devant, là, tu veux l'entendre plus. Ça. Ils sont là qui bourdonnent. Alors, la piste d'atterrissage, dit-on. Hop, voilà. Alors, je ne me mets pas complètement devant pour ne pas les empêcher d'arriver. Voilà. Et voilà.